Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could've done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count. So lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. I don't wanna waste time on fake friends. I just wanna get high, I just wanna get high, I just wanna get higher. Sometimes people will try to hold you back from being who you want to. Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de mes découvertes des coins chics, des coins in de Kinshasa, j'ai découvert un endroit idéal qui s'appelle la Clé des Châteaux. Alors la Clé des Châteaux, c'est une cave. C'est un bar à vin, un bon lieu de détente, c'est calme, c'est discret, c'est sur le boulevard du 30 juin, 64 boulevard du 30 juin pour être précis, et c'est juste en diagonale du bâtiment de CNSS, donc c'est très bien, je vais vous montrer. Alors, comme vous dites, la Clé des Châteaux vous accueille, dégustation after work, happy hours de 16h à 18h. Alors, c'est très bien parce que j'ai découvert qu'ici, ils ont tous les vins du monde et des vins authentiques. Parce qu'il faut se dire à Kinshasa, there's a lot of counterfeit. So, ça, ce sont des vins authentiques. Alors, je vous montre l'endroit. Laissez-moi vous guider. Let me show you the place. It's very nice. You can come and eat here and have some wine. They also have karaoke. Now, you can chill here. That's the hangout place. When you can summit, sit down, there's a lot of us, they offer food. Donc vous pouvez avoir une dégustation, je vous montrerai l'endroit. Donc voilà, c'est calme, il y a de la musique. Pas trop forte, there's a music not too loud, and should be good. Let me show you the parking space. There's a lot of nights. Alors, c'est ouvert. Du lundi au lundi, hein, mais il y a des jours, des soirées thèmes. Donc le mercredi, par exemple, si vous venez, c'est tel thème. Le vendredi, c'est tel thème. And now I'll take you inside the wine boutique. You have all sorts of wine. Let me show you. Vous avez des vins qui viennent de tous les coins du monde, des vins originaux, authentiques. J'ai découvert la dernière fois qu'il y avait un vin éthiopien. So they just handed to me a bottle of Ethiopian wine. Let me show you. I had no idea that Ethiopian made wine. C'est du vin éthiopien, look. And so what happened, Ethiopia, what they did, and they brought some wine from France, they imported it all the way to Ethiopia, and they adapted it, and now they make wine. As I said, comme je dis, vous avez des vins qui viennent de tous les pays du monde, hein. Bien sûr de l'Australie, bien sûr de la France, du Chili, de l'Afrique du Sud, hein. Il y a des vins sud-africains. Je vais en montrer un. Alors, comme je vous ai dit, ils ont des vins qui viennent de tous les pays du monde. Regardez ça, ce sont des vins sud-africains. Obikwa, ça, un autre vin sud-africain. Bien sûr, des vins qui viennent de la France, mais aussi de l'Australie. Some Australian wine, des vins du Chili. Et
tous les vins. Alors c'est très bien. Alors ils ont aussi, comme c'est écrit, une petite salle de dégustation. Je vais vous la montrer. Let me show you, bring it to you to the degustation room where you can taste. It's nice. So you sit here and have your specialist, le sommelier, comme on l'appelle, is going to bring you every wine you want to taste. You come here and you sit and have a sip, you taste. And it's a nice chilly room where you can have all kinds of wine. And j'ai découvert récemment que cet endroit n'est pas seulement un bar, un vin, une cave, c'est aussi un centre de formation. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a un sommelier français qui vit ici à Kinshasa. Et quand vous sortez d'ici, vous allez devenir pas un expert, mais vous allez approfondir votre connaissance de le vin. Tout ce qu'il faut savoir sur le vin, vous allez le savoir de façon naturelle, sans forcer. Donc c'est très, très, très bien. Alors c'est très calme, je vous le dis, c'est très coquet. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ça sera mon nouveau, comme on dit, my new hangout place, mon nouveau lieu de rencontre. Et je serai souvent ici. Vous allez me voir. Ok, this is a bottle of Petrus. I don't believe my eyes, je ne crois pas mes yeux. Je crois que c'est le seul magasin à Kinshasa qui vend cette bouteille. Et la bouteille, elle est à 7 300 €, c'est ça? Voilà, ça c'est... Il n'y a rien à dire, hein. Faites des recherches sur Internet et je ne vais pas mettre de commentaires. Hein? Voilà, c'est dans un frigo spécial. Et il faut manipuler ça avec... J'ai même pas envie de la toucher parce que ça c'est... Voilà, il y en a combien? Vous en avez combien comme ça? Il faudra demander, il faudra vérifier le stock. Okay. Mais effectivement, ce n'est pas des bouteilles que tu vas ramener en grande quantité. Oui. C'est des bouteilles que les gens vont prendre pour de très très grandes occasions. Hein, oui, oui. Très très grandes occasions. Oui, d'accord. Mais c'est juste pour montrer la diversité parce qu'on parle vraiment des vins qui vont coûter 5-6 $, oui. Des vins de tout le monde, à des vins super prestigieux comme des Petrus, de. De Château Smith ou Olafite. De très grandes bouteilles. Si vous avez des vins à tous les prix, vous avez des vins à 6 $ jusqu'à... C'est votre budget, c'est très bien. Si vous avez des mariages, pour l'événementiel mariage, anniversaire, cérémonie, dîner de gala, tout ce que vous voulez, vous venez ici. Ça en vaut la peine. Donc, il y a des connaisseurs ici, parce que moi, je ne m'y connais pas en vin, mais déjà, je suis venu, c'est la deuxième fois que je viens ici, je commence à apprendre. Alors, in front of me, la carte des vins, s'il vous plaît. So, j'ai devant moi la carte des vins, le nouvel atlas des vignobles du monde. So, you can see, you have all the information of all the wine that come across the world. That's all the wine. Cépages d'Italie, of course, Italians also make a lot of wine from Tuscany. And, well, yeah. California also makes some wine. Le Beaujolais, ça c'est français. Et c'était mieux. Voilà. It's a very thick book. And you have all the information. Of course, I can't film it all. There you go. So. And all these products are homemade, I mean local product, local alcohol, and you can expose them for free. And as you can see over there, they take Visa and MasterCard, and vous avez aussi droit à une carte de fidélité. And if you come, they're gonna put a tampon, they will know that how many wine you want.
So in Kent, you drink a lot of wine. You can come and relieve yourself here. This is the bathroom. Là, vous avez un tableau, une affiche avec tout. Des grands vins avec des plats congolais. Voilà, Château Pérande, avec, gravé avec poulet à la moine, Château d'Arsin, Haute-Médoc, avec liboquet de porc, Château Bousquette, avec côte de bourg, avec bœuf, sauce bloquée. Voilà.